Ο Ευγενίας, σε διακόπτουμε γιατί ετοιμάζεται για δήλωση. Sur ma décision, mobiliser toutes les forces possibles pour que il puisse y avoir l'après la neutralisation des terroristes et la mise en sécurité de tous les quartiers qui peuvent être concernés. Θα χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις μας για να εξουδετερώσουμε τους τρομοκράτες. En ce moment, sur l'agglomération parisienne, pour être sûr qu'aucune attaque ne puisse de nouveau avoir lieu. J'ai également convoqué le Conseil des ministres. Il va se tenir dans quelques minutes. Deux décisions seront prises. Sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés. La circulation pourra être interdite et il y aura également des perquisitions qui pourront être décidées. L'état d'urgence, lui, sera proclamé sur l'ensemble du territoire. La seconde décision que j'ai prise, c'est la fermeture des frontières. Nous devons nous assurer que personne ne pourra rentrer pour commettre quelque acte que ce soit. Et en même temps que ceux qui auraient pu commettre les crimes. Η πιο σημαντική απόφαση που χρειάστηκε να πάρω ήταν να κλείσω τα σύνορα. Également être appréhendé s'il devait sortir du territoire. C'est une terrible épreuve qui, une nouvelle fois. Είναι μια τεράστια δοκιμασία για άλλη μια φορά. Qui sont ces criminels? Qui sont ces terroristes? Nous devons. Ποιοι είναι αυτοί οι εγκληματίες? Ποιοι είναι αυτοί οι τρομοκράτες? Une pensée pour les victimes, très nombreuses, pour leurs familles, pour les blessés. Nous devons faire preuve de compassion et de solidarité. Mais nous devons également faire preuve d'unité et de sang-froid. Face à la terreur, la France doit être forte, elle doit être grande, et les autorités de l'État fermes, nous le serons. Nous devons aussi appeler chacun à la responsabilité. Ce que les terroristes veulent, c'est nous faire peur, nous saisir d'effroi. Αυτό που θέλουν οι τρομοκράτες είναι να μας φοβήσουν. Il y a l'effroi, mais il y a face à l'effroi une nation qui sait se défendre, qui sait mobiliser ses forces et qui, une fois encore, saura vaincre les terroristes. Françaises, Français, nous n'avons pas terminé les opérations. Θα κινητοποιήσουμε όλες μας τις δυνάμεις και για άλλη μια φορά θα νικήσουμε τους τρομοκράτες. En ce moment même que les forces de sécurité font assaut, notamment dans un lieu à Paris, je vous demande de garder ici toute votre confiance dans ce que nous pouvons faire avec les forces de sécurité pour préserver notre nation des actes terroristes. Vive la République et vive la France. Ζητώ να έχετε εμπιστοσύνη στις αστυνομικές δυνάμεις. Ζήτω η δημοκρατία, ζήτω η Γαλλία.